Salut à tous, c'est Damzou sur Europe 1 Universalis 4. Ouh, tiens, j'ai pas eu ça. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, la Saxe? Ils ont un conquistador, ça veut dire que la Moscovie a pris l'exploration. Putain, vous avez un leader de merde et vous avez fait n'importe quoi là. 10 000 hommes contre 12 000. Ouais. Bah, va falloir arrêter les mecs. 10 000 contre 12 000, ça vous réussit pas. Changement de cap, vous partiez à Calais tout le temps. Je vais vous couper en deux et vous passez à Calais. Vous, vous allez à Lunebourg. La prise de Venise, ils ont l'air d'être suffisamment nombreux pour pouvoir commencer le siège. Ça coûte cher en score. Bien, tu fais ça. Tu vas passer là. Toi, je vais t'envoyer directement tuer l'armée de la Hanse. L'armée de la Moscou. D'ailleurs, ça veut dire que l'armée de la Moscovie a le passage? Ah non, elle a pas vendu passage du coup. Ah, c'est vrai que j'avais pas calculé ça. Je l'avais pas calculé comme ça du coup. Bon, on est quand même encore suffisamment nombreux pour gérer toutes leurs possibles attaques. Voilà, donc eux je leur tombe dessus cash. Je vais tout de suite envoyer les renforts parce que quand même c'est risqué. Oh putain, là y a du monde qui arrive. L'armée anglaise a été repoussée. Donc on va se regrouper. Où est-ce qu'il y a une bonne pré? Là c'est des bois et on peut être 24 000. Donc on va les camper sur les bois à 24 000. En attendant que les renforts arrivent. Des prairies. Et est-ce qu'il y a de la traversée? Honnêtebruck, non, donc ça va aller. Moins 49. Ouais, ils ont récupéré une province. C'était pas très utile, c'est pas grave. Terre arable, et je pense pas qu'il y ait d'accès. Non, c'est là. C'est la province que je vais regarder. Et y a rien du tout. Donc on va juste les manger gratos. Normalement, là, on sort la Hanse. Voilà. Y a plus qu'à faire tomber ce fort-là. Ils sont quand même 28 000 à arriver, donc les renforts, mettez-vous en position derrière. 38 000, pardon. Ah, bah d'ailleurs, ils ont bougé. Vous rejoignez direct. C'est serré. C'est qui bouge là? C'est Aix-la-Chapelle, Munster. Aix-la-Chapelle et Munster, ils font la guerre contre qui? Ils font la guerre contre... Putain, les mecs, mais est-ce que un jour vous pourrez vous battre contre des gens utiles de votre pays? Bon, ok, Venise est récupérée. Par contre, là-haut, la bataille devient compliquée. Ils arrivent quand? De toute façon, j'ai que des mercenaires au combat, donc c'est pas très gênant si les mercenaires prennent dans la tête. Comme on dit, sauf que là, s'ils prennent beaucoup, ils prennent cher, donc. On va se les faire un léger repli stratégique. Et je vais prendre la science niveau 12. Eux, ils l'ont pas. Et normalement, cette science niveau 12, elle est censée nous apporter une grande différence. On prend les francs-tireurs cash. Le temps qu'on se remette d'appoint, ça va être la revanche derrière. Voilà, donc mon armée, elle va se régénérer rapidement. Oldenburg est tombé, pas pour longtemps. Je vais juste les couper en deux. Bosnie, c'était cool. Maintenant, on va faire l'Albanie. Venise, c'était récupéré. Hop, je coupe le fort. Ça, mon prestige est catastrophique. Là, ça vote 2 pour moi. Oui, ça vote très mal. Et là, c'est catastrophique. Waouh, il y a des problèmes d'hérétiques dans tous les sens. Hop, cette armée, je l'ai ratée. Cette armée, elle se casse tout de suite aussi. C'est pas grave, c'est juste un léger contretemps, comme on dit. C'est un très 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 léger contretemps. La Saxe, on est à fond. Palatina, on est à fond. Trèves.
On peut aller plus loin que ça. Et Brandebourg, il vote plus pour moi, Brandebourg? Si, il vote pour moi, Brandebourg, pourtant. Pourquoi il vote pas pour moi, Palatina? C'est des escrocs, eux. Bien sûr que l'Empire, c'est catastrophique en ce moment. Vous avez vu la situation dans laquelle on est. Tout le monde vote pour tout le monde, sauf pour moi. Y'a personne qui... Personne respecte l'Empereur, là. Reviens par là tout de suite. C'est quoi, ça? Alors, je peux perdre un point de stabilité. L'opinion des états pontificaux disparaissent. Et j'ai un truc qui devient protestant. Ou alors, je perds du prestige. Et j'ai moins de force de missionnaire. Et moins d'impôts. Ou je gagne du prestige. Je perds du militaire. Je gagne des révoltes. Et je gagne, on va dire temporairement. Je vais prendre ça. J'aime pas dépenser des points de militaire, mais on va dire que c'était l'un des meilleurs choix que je pouvais avoir pour l'instant. Donc là, j'ai combien d'hommes opérationnels? Je suis censé avoir 50 000 hommes, 35-36 000. Oui, j'ai pas du tout 50 000 hommes. Ah, en plus, même Trévis, c'était un fort qu'ils ont réussi à réactiver. Ouais, donc là, ils m'ont réactivé, ils me coûtent très cher. Par contre, j'arrive avec des nouvelles unités qu'ils n'ont pas encore. Passe par là, s'il te plaît. Hop, 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 Oya. Et toi, tu vas à Oldenbourg par là. Ici, c'est une province et des terres arables. Donc l'assaut, il n'y aura pas de problème. Il va passer. Oya, il y a un souci. Oldenbourg, il y a un souci. Brême, non plus. Brême aussi. En fait, qu'importe par où on attaque, sauf que... On va attendre juste que lui tombe. Ils sont 36 000, c'est prenable. Les armées se sont séparées. Je suis sur prairie. Et ici je suis sur un bois. Je préfère autant que ce soit lui qui attaque lui-même. Avec son 11 en militaire, je suis censé pouvoir lui mettre une bonne fessée. Et Brême, par contre... Oya, je peux passer par Lunebourg pour attaquer Brême. C'est ce qu'on va faire. On va se positionner à Lunebourg et on va attaquer Brême. On a ce qu'il faut. T'arrives le 8 février, c'est bien. Et on attaque. 37 000, on est un tout petit peu moins nombreux que eux. Par contre, c'est censé être la déculottée de leur vie. Parce que là, on a la technologie avec nous, on a tout ce qu'il faut avec nous. Par contre, sauf si on enchaîne des très mauvais lancers de dés à la fin. Holstein est tombé. Non, le fort. Il n'y avait pas de fort ici. Donc, j'ai encore le fort sous mes ordres. Ah, ils ont quand même beaucoup moins d'hommes qu'avant. On est à 0-11, ça veut dire qu'on a perdu, on se replie. J'ai dit on se replie. Ok, donc tout le monde se replie à Vienne. Ils ont quand même beaucoup moins d'hommes qu'avant, donc c'est gérable. Moi, il faut juste que les mercenaires se remettent un peu plus d'attaque. Il y a tout le monde qui devient protestant, ça j'y peux rien. Ah, Brême est tombé. J'avoue que mes effectifs ils ont pris un sacré coup là. Je vais faire sauter une bonne partie de mes mercenaires. Je vais tout regrouper, c'est le plus simple. Comme j'ai que des mercenaires anciennes générations, ça sert à rien de les conserver trop longtemps. Toi tu vas dégager. Toi tu me l'as fait. Cette armée là tu me la vires aussi. Je vais me racheter une petite vague d'armée normale. On va créer un modèle. Ce sera le modèle 10 inf. Sur 10, sauvegarder. Hop. Je les veux ici. Dans 2 mois, on est reparti.
D'ailleurs, c'est... Mais j'ai armé de la hanse qui est là, j'ai pas fait gaffe. Vous, vous passez par là. Le siège de la Hollande. Ah, c'est Lunebourg qui fait ça. C'est quoi ça? Le coût de la technologie militaire. Je l'ai déjà prise pendant 13 ans. Ouais, c'est bon. On va augmenter le coût. Pendant 13 ans, je suis à l'abri. Et en technologie administrative, là, 5 ans, ben, je la prends. Toi, tu repars là-bas. Et toi, tu vas chasser à Frioul, c'est tout. On s'en fout du coup des mercenaires. Ouais, parce que de toute façon, prestige, ça devient catastrophique. J'ai pas de prestige. Mais ok, leur armée s'est téléportée ou elle est morte? Bon, toi, tu vas retourner chasser là-bas. Tu vas me préparer en fait un deuxième groupe d'infanterie à Tyrol. Et on partira contre-attaquer avec tout ce monde-là. Est-ce que là, je peux considérer l'appel de la Pologne? Non. Ok, j'ai ces 20 000 hommes qui partent au front. Vous aussi, vous allez partir au front. En avant. Passer là-bas 26 000, c'est très bien pour vous. Il faut pas qu'ils prennent le fort. Ils sont 60 000 et continuez de faire revenir des renforts. Il faut revenir beaucoup de renforts. Tu dégages, soit t'arrêtes de me gêner. Je veux prendre cette armée, voilà. Et vous allez là-bas. Ma technologie, est-ce que j'ai toujours d'avance? Oui, j'ai toujours ma technologie d'avance. Même contre eux, bien. Alors là, avec un peu plus d'unités de nouvelle génération, on devrait mieux passer. Ici, sur Ottoman, je veux revendiquer... Silistrie. Ils sont quand même 74 000. Ils se sont bien refaits. Et j'ai pas autant de troupes potes à moi dans le coin. Là, ça c'est... En pas longtemps, ça va être récupéré. Pourtant, pareil, j'ai des généraux, c'est des tueurs. Ok, j'ai pas de... Je viens de me rendre compte que j'ai absolument pas de cavalerie. Et j'ai très peu de canons aussi. On va au minimum attendre la cavalerie. Toi, tu vas bouger en Hollande. Et toi, tu vas bouger à Breda. Leurs armées sont pas trop bloquées. Toi, je peux pas t'appeler, c'est ça? Ouais. J'ai plus de trous, j'ai toujours des armées intéressantes. Par contre, si je vais récupérer les forts que je vais devoir reprendre encore à nouveau. Par contre, le sac, ils ont bien passé là-bas, c'est bon. Là, on va récupérer Trévis. Deux là-bas. Trois dans celle-là. Là, il y en a un. Là, il y en a un aussi. Deux là-bas et un là-bas. Le siège est à 1. La Moscovie est en... veut une paix blanche. Très bien. Au revoir la Moscovie. Ce qui me sort combien d'hommes déjà? Ce qui me sort beaucoup d'hommes. Ah, du coup, le Danemark, ils vont être un peu plus enclins à négocier, sachant qu'ils viennent de perdre le soutien de
de beaucoup d'hommes. On va pas se mentir, ils viennent de perdre réellement beaucoup d'hommes. Toi, tu te positionnes là. Toi, tu. Je reprends. Toi, tu vas te positionner à Osbruck. Et toi, tu vas te positionner à Oya. Et on va retourner prendre la ville de Brême. Position là. Position en ville de Brême. L'armée de la Hanse, je viens de la voir. La lassitude de guerre, elle arrive. Tac, tu vas à Brême. Tac, tu vas à Holstein. D'ailleurs, il fuit. Oldenbourg a été récupéré. Toi, tu passes à côté, tout simplement. Ah mince, il y avait une armée là. Attaquer tout de suite. Je l'avais raté cette armée anglaise. J'ai une armée qui arrive très vite. 9, allez. Et voilà, on a renvoyé leur armée en enfer. Franchement, j'avais pas vu que l'armée anglaise était ici. Mais ils se sont littéralement fait défoncer. Parce que maintenant, j'ai l'avantage numérique. Et j'aimerais bien pouvoir enfin sortir ces foutues armées d'ici. Eux, vous allez rejoindre l'armada qui était là-bas. Ah, tu me fais ça. Ce sont les territoires danois, c'est bon. Faut juste que je récupère la ville de Brême. Tu me prends ces deux armées-là qui vont faire le siège là. Vous allez passer à ici à leur dernier fort. 42%. Ouais. Ah, Trévis, je peux enfin recouper Trévis. Non, quoi que je vais le laisser activer pour l'instant, j'en ai besoin. L'Angleterre qui est prêt à faire une paix blanche. Très bien. Donc il me reste que le Danemark qui a plus que. Ouais, ils n'ont plus beaucoup d'hommes. Karin, toi, ils m'ont repiqué un fort. Évidemment, ils rushent les forts. Attendez, c'est quoi l'armée officielle qui reste contre moi là? 40 000 hommes, l'armée officielle. Oh, je sais qu'ils vont s'amuser. La Hongrie qui se bat encore contre la Valachie. Lika qui est tombée. Ouais, vas-y, amuse-toi, prends tous les forts, vas-y, fais-toi plaisir. J'arrive bientôt, t'inquiète pas. Et voilà, la Hollande s'est récupérée. Vous faites production comme ça. Vous inquiétez pas, vous aurez un leader. Vous partez poursuivre. Toi, tout de suite, je te coupe. Et toi, comme je sens que t'es super chaud pour arriver. Dalmatie, il y avait un fort, oui. Le prochain fort serait lequel? C'est celui-là. Je l'active. Comme ça, tu vas pas m'emmerder longtemps. Là, cette position-là, on l'a récupérée. Donc, on va aller prendre ici toute la. Ah, l'armée qui est de retour. Ils sont en train de ressortir leur armée. Dalmatie, Lunebourg. Eh ben, on a fait tomber Lunebourg. C'est bien. Donc, Lunebourg. Tu m'enlèves ce traité. Réparation de guerre. Tu me donnes tes sous. Tiens, d'ailleurs, je peux pas forcer la religion, on sait jamais. Ils sont catholiques, Lunebourg ou pas? Puis tu vas renoncer à tous tes trucs que tu veux faire. Voilà. C'était quoi la religion à Lunebourg? Ils sont catholiques, c'est parfait, restez-le. Ici, du coup, ils sont 4 000. Voilà, donc toi, tu peux passer par là. Ah, on a fini la première colonie, ça c'est cool. Ça veut dire que maintenant je vais passer à côté pour la deuxième. Ils ont trois colonies, les Anglais. Et eux, ils en ont pas mal. La Castille a beaucoup de colonies. Par contre, le Portugal, bonne question, qu'est-ce qu'ils foutent?
Et j'ai pas de leader qui sont disponibles. Ah oui, les deux sont là, c'est vrai. Voilà, hop. Comme ça, c'est lui qui peut le prendre. Et tu vas là. Toi, je peux te recouper. Donc, il va juste falloir que j'aille me récupérer ces deux sièges-là. Ça va être long, mais faisable. Évidemment, il va bouger sur l'IKA parce que faut pas prendre l'ordinateur que... Aïe! Par contre, là, la double révolte, on va faire venir des renforts. Toi, tu vas t'occuper de ça. Vous, faut venir tout de suite. Du coup, dans le coin, ce fort-là, je le réactive. Trop dangereux s'ils arrivent à passer ce fort-là. Toi, tu vas enchaîner directement ici. À vrai dire, ils peuvent tenir ces forts-là, c'est pas un souci, vu que dès que j'ai Lübeck, ville de Brême, Tarnovo... on se regroupe à Brême. Ouais, rester groupé là-haut. Donc toi, tu vas passer à Serbie. Et toi, tu vas aussi aller en Serbie. Bosnie, je te désactive. Ah, il fuit. Voilà, non, il s'est juste légèrement reculé ou il fuit entièrement. Non, il va récupérer Jylland. Donc toi, tu vas passer là-bas. Toi, tu passes là-bas. Là, je vous fais ça et vous passez ici. Et on va pourchasser l'armée danoise. Donc 29 000 hommes en avant. Je rappelle que moi, la seule chose que je veux, c'est que tu libères Brême. Tu libères Holstein. Et je l'ai pas celui-là encore. Holstein, Brême et Verden. C'était justement les trois que je voulais que tu libères. Des réparations. Une humiliation. 98. Non, réparation de guerre peut-être. Des sous. Il me reste 23. Non, ça fait moins de 5. Mais ça, je m'en fiche. Et tu vas abandonner ta légitimité partout. Enfin, au moins une fois, ça fera plaisir. Peut-être deux fois. Non, allez, go! Le Danemark, on l'a foutu dehors. Ça, normalement, pour l'Empire, ça fait... Hein? C'est quoi ce bordel? Je peux pas lutter, là. Il y a trop de moins. Il y a plus de moins que de plus. Toi, t'as déjà ton statut. Toi, pour l'instant, t'en veux pas. Mais je pense qu'on peut te le faire avoir. Brême. Toi, Brême, je vais te le refiler. J'en ai combien des cités-états? 5. Donc, je peux encore lui en recréer une. Ah, toi, ça, c'est cool. Je t'avais pas vu, t'avais été libéré. C'est moi qui t'ai libéré ou tu t'es libéré toute seule? Ah non, t'es pas dans l'Empire, c'est vrai. Bah justement, tu sais quoi? Je propose que tu rejoignes l'Empire. Donc vous deux, attends, vous êtes regroupés à un général. Vous allez m'attaquer ça et après vous irez libérer le terrain. Ah, en plus vous avez attaqué l'Ottoman, vous, c'est cool. C'est qui ça? Oui, un peu de tradition militaire, ça fait pas de mal. Là, on va libérer au moins une province. D'ailleurs, la Hanse est peut-être enclin à négocier. Hein. Trêve, on va arrêter. Là, ça revote pour moi dans tous les sens. Je pense que la Hanse, ils sont peut-être chauds pour négocier. Ils ont compris que ça servait à rien de chercher. Ah non, ils ont pas compris encore. Non, non, je me suis excité pour rien. Ils ont pas compris. Bien, tu vas libérer le suivant. Toi, je te redésactive.
problème, c'est que là, j'ai sacrifié beaucoup, mais beaucoup d'hommes. Oh, j'ai un bloc de 30 000 là-haut, c'est vrai. 30 000, je peux les stocker où? Allez, vous allez en Hollande. Enfin, je vais même vous couper. Vous partez là-bas. Le bloc suivant, on vous suivra après. Tarnovo, c'est récupéré. 40, je désactive. Vous allez commencer le siège de Dalmatie, on sait jamais. Et je pense pas que j'ai à le tenir longtemps. J'ai toujours des milliers de dettes à rembourser. Est-ce que j'ai bougé mon mec au moins? Et le colon est arrivé. Ah oui, c'est bon. Ah, Lübeck. Voilà, comme ça, j'aurais pas besoin de faire mes sièges pour me libérer. Donc, tu nous rends Mecklembourg, t'annules ton accord avec le Danemark. On force ta religion. Réparation, et tu nous donnes ta thune. Et. Ah ouais, même grâce à moi, t'as libéré un super Mecklembourg. Alors, on est à 6 cités libres. Maintenant, il faut que j'aille chasser donc les imposteurs qui ont envie de nous convertir à une religion inconnue. J'ai très bien négocié avec qui déjà? Avec Saxe. Saxe-Lunebourg. Toi, quand est-ce que tu vas vouloir ça? T'es à moins 4. J'y travaille, pourtant j'y travaille. On va rembourser une nouvelle dette. J'ai pas les moyens de rembourser cette dette. Par contre, là, mon financement de l'armée, je rapporte quand même 20. C'est pas mal. Les forts, on va tout de suite les recouper. Est-ce que j'ai des forts qui sont encore activés? Non, j'ai plus de forts activés. Ça veut dire qu'on est bon là. Donc, il faut que je trouve qui. La France, tu fais quoi d'ailleurs? T'es en guerre contre Raven. T'es en guerre contre le monde entier. Ah, par contre, là. Naples, t'es en guerre contre qui? T'es en guerre contre la France. Du coup, ça veut dire que la Castille est en guerre contre la. Non, la France est pas. La Castille est pas en guerre contre la France. Donc, on va regarder qui est pas de la bonne religion. Toi, t'es de la religion. Freeze, t'es pas de la bonne religion. Bon, Freeze, il faut que je te fasse une revendication. Vous allez voir, nous. Vous allez aimer le catholicisme. La Silésie en rivale de la Hongrie. Non, sans déconner, la Hongrie se fait défoncer. Oui, tiens, je te donne un accès militaire. Les Bosniaques, qu'est-ce qu'ils ont encore, les Bosniaques, pour se rebeller? Je pensais vraiment que j'avais tout remis dans l'ordre. Donc, les Bosniaques, c'est en quelle province qu'ils veulent se rebeller? À Skopje, ils ont 5%. Eux, ils ont 8% à Breda. Et eux, ils ont rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? C'est de l'intolérance, de la culture. C'est la lassitude de guerre qui fait ça. Ok, j'y touche plus. Et à Breda, c'est quoi le problème? C'est. Oui, c'est qu'ils ont un malus. Ça, on n'y peut plus rien. J'ai jamais rien pu y faire. J'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Ah, ils ont formé la Grande-Bretagne, ça y est. Ils peuvent se la péter, les Anglais. Je suis sûr qu'ils ont une flotte. Je peux plus rivaliser contre eux. Alors qu'à un moment, j'étais pas loin de pouvoir rivaliser. Celle-là, elle est pas mal. Enfin, elle sera pas mal le jour où j'aurai des choses. Ça me plaît pas non plus. Est-ce qu'on voit toujours les centres religieux? Je sais plus. Me semble qu'il y avait ce qu'on appelait la carte des centres religieux. Culture, agitation. Non,
Hiver, climat, colonie, technologie, coloniale. Ah, ça c'est pas mal ça. La prochaine fois, je cliquerai sur ça pour regarder ce que je peux coloniser. Ah, apparemment, on peut voir que au nord, on mène pas beaucoup et chez les infidèles, on mène pas beaucoup non plus. Le reste, ils se sont calmés. Ah, si, il y a toujours des centres. Sauf qu'ils sont pas trop chez moi. S'il y a celui-là qui est protestant qui est pas loin de chez moi. Ouais, le reste, ça me regarde pas. Donc, je pense que pour l'instant, je vais rester catholique. Alors, qui est pas de la bonne religion? Toi, tu l'es, c'est bon. Toi, tu l'es, toi, tu l'es. Raven, c'est bon. Ah, Meningen! Ouais, ça compte, ça c'est chiant, il faut absolument qu'il m'arrange le système qui fait qu'on peut pas enfin il faut trouver un nouveau système là je vais me manger un petit plus en inflation, ça va pas me faire du bien. Mais c'est la vie. Falsifier la frise. Ah, alors c'était lu pour commencer. Elle est à Brandebourg. Brandebourg, est-ce que j'ai besoin de te défoncer? Oh, Brandebourg, ah oui, tout à fait, il faut que j'aille te défoncer la gueule. Brandebourg, t'es. C'est quoi Brandebourg? Je pense que. Qu'est-ce que t'es parti foutre là-bas? Non, mais franchement, Brandebourg, tu penses quand même pas que je vais laisser un pays? Ouais, bon, je sais, j'ai laissé beaucoup de pays, je dis plus rien. J'ai laissé beaucoup de pays faire n'importe quoi. Skopje, ça c'est fait, hop, on intervenait. Et on continue demain. Ciao, ciao!